Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian Dormeux-Cosos et c'est parti. La semaine dernière, les hommes se sont montrés dans des looks résolument suaves. La semaine dernière, alors que nous disions au revoir au premier semestre 2021, les célébrités masculines les plus stylées d'Afrique se sont présentées et se sont montrées dans des looks personnels, définitifs et suaves. L'acteur nigérien, le vétéran Richard Mofe Damijo, a mené le peloton dans un ensemble de tons neutres. L'homme de 60 ans a bercé une chemise beige à col crimp et un pantalon large blanc cassé qui illustrait le luxe urbain avec une touche d'ambiance zadi. C'est ce que nous attendons d'un homme comme RMD dont le style de jeu n'a cessé d'évoluer au fil des ans. Il a superposé le look avec un trench coat de couleur argile rouge qui a ajouté la touche de couleur vibrante bien nécessaire qui a fait passer la tenue au-delà. Il a complété le look avec une paire de boots en cuir noir et accessoirisé avec des bijoux argentés et des lunettes de soleil à monture brune. En Afrique de l'Est, la pop star tanzanienne Mario a joué à fond dans une tenue bicolore. Le trench coat à carreaux et le pantalon assorti d'un pull à col roulé noir et d'un bonnet noir étaient un excellent mélange de sensibilité rétro et de style moderne et élégant. L'ensemble était parfait et permettait d'ajouter des éléments essentiels de la garde-robe comme les Daddy Shoes Balenciaga qu'il portait si fièrement. La star avait l'air moderne et cool en incorporant des éléments de différentes époques de style. Pour les célébrités masculines les plus élégantes d'Afrique, chaque semaine se compose de tapis rouges, de courses personnelles, de fêtes et de plusieurs autres événements. Cela fournit de nombreuses raisons de s'habiller et par.
Ensuite, Aya Nakamura fait sensation en couverture de Forbes France. Quoi qu'elle fasse, Aya Nakamura fait parler d'elle. L'artiste affole ses fans et les touche comme personne. Qu'elle chante, qu'elle fasse des selfies sur ses réseaux, qu'elle tourne pour une publicité, qu'elle assiste à un défilé. La diva française d'origine malienne fait tourner des têtes. L'interprète de Dja Dja s'est affichée en couverture du magazine Forbes France pour son numéro spécial Femme 2021. En plus d'être une véritable icône de mode, elle a été sacrée artiste francophone de l'année par le magazine spécialisé en finance. Sur le cover, on peut voir la chanteuse posée pour un portrait en noir et blanc vêtue d'une veste de tailleur, suivie d'une série d'autres photos inédites, toujours dans le même temps. Je suis une femme consciente, comme elle l'explique au magazine Forbes. Forbes France est allé à la rencontre d'Aya Nakamura pour une interview exclusive. En trois albums best-seller, quelques clips envoûtants et des featuring XXL, la chanteuse née à Bamako est devenue une artiste majeure de la scène française et internationale. Détail Forbes France dans ce numéro 40, Femmes Forbes 2021. Il s'agit du 15e numéro disponible depuis le 8 juillet dans tous les kiosques. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian Dormeux-Cosos, à la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine.